Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur, j'allais dire Mordo, non, Bannerlord. On va, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de faire des armées en plus. Parce que j'en ai une qui est sélectionnée. Attendez, là il n'y a pas d'armée sélectionnée. Non, il veut pas me faire plus d'armées. Comme si j'avais un nombre de milices limité. C'est peut-être le cas. Donc je peux les faire popper à où je veux, d'accord. Donc on va leur demander de se rassembler ici. Je viens d'avoir un. Bah, comment ça se fait qu'il soit passé de ce côté-là? Je sais pas bien. Bref. J'ai l'impression que ça lag à chaque fois que je pose une unité, par contre. Ah, il faut que j'aie au moins 5... que j'ai au moins 5 recrues. D'accord. Pour augmenter ma retenue, il faut probablement que je fasse d'autres armes. Mais je ne sais pas si c'est les petites haches ou les grandes hallebardes. On peut en lancer chez le forgeron. Ah, arme légère. Ça se trouve, c'est ça. Je sais pas pourquoi c'est présenté par des petites haches ou des grandes hallebardes. Qu'est-ce qu'ils ont, cette unité-là? Visiblement, ils ont... des trucs différents. Attendez, pause. Il y en a qui ont des hallebardes. Et il y en a qui ont des épées et des boucliers. Je sais pas trop comment je suis censé. On n'arrête pas à courir. C'est pour pas qu'il s'épuise. Je sais pas trop comment je suis censé augmenter ma retenue. Je sais comment je peux augmenter la taille maximale en construisant une tour de garde ou un truc comme ça. Ça permet de passer de 12 à 25, à 24, pardon. Recrue manquante, mais recrue manquante, comment que suis-je censé avoir plus de recrues? Parce que là j'ai pas mal de je me dis pas comment ça s'appelle, le paysan potentiel supplémentaire. Que je ne peux pas utiliser puisque je ne peux pas faire de nouvelles unités de milice. Et j'ai l'impression que je ne peux pas non plus booster mes unités de retenue. Donc je ne sais pas bien ce que je suis censé faire. C'est pas grave, on va jouer avec les mercenaires. On va prendre même les petits bonhommes. Donc vous, vous êtes où? Vous venez de par là. Vous allez venir par ici. Où est-ce que... par là? Je sais plus où est-ce que j'ai modifié, j'ai positionné mes soldats. Tout le monde va venir là. Hop, roule. Roule ma poule. Là, il est toujours persuadé qu'il me manque des places en étable. Pour l'instant, il n'y a pas de bestiaux qui s'enfuient. Je sais pas si c'est une erreur vraie, enfin, si c'est juste une erreur d'affichage ou si c'est une erreur de comptage des places d'étable. Sachant que là, il est capable de me dire, tu utilises 22 sur 40. Donc tout va bien. Tous mes soldats qui convergent. Pourquoi ils sont efficaces eux? Cohésion. Peut-être parce qu'ils sont bien regroupés.
ressources ajoutées à l'inventaire. Alors j'ai fait un nouvel entrepôt. On va mettre du monde. On va lui donner l'autorisation de stocker les tuiles. Est-ce qu'on lui demande de pas stocker certaines choses? Alors j'ai le lin, ça va en entrepôt. Je vois la peau, le cuir. Si on veut lui dire qu'il peut stocker la laine. Ici, j'aimerais que vous arrêtiez de stocker les tuiles. J'ai pas fait de fabrique de blocs. Voilà, et l'autre entrepôt. On va aussi leur demander de ne pas stocker l'argile ni les tuiles. Qui s'encombrent quand même un peu avec ça. Mon armée est prête. Une petite sauvegarde avant, au cas où. Et on est parti, revendiqué par influence. Hop, on traverse. Lui il dit qu'il faudrait qu'il me batte ici. Ok. Donc, mes trois soldats. Comme de ceci. On va les placer. Encore une espèce de pente. Vaut mieux être en hauteur. Vaut mieux être hors de la forêt pour mes archers. Et les autres, on va les mettre à peu près là. Hop, c'est parti. Ah, et toi, t'as le droit de bouger aussi. Ah, son armée arrive. Ok. Ralentissement. Ils vont passer par la forêt. Je vais un peu changer mon plan. Enfin, je suis pas sûr. Non, je pense qu'on va dire. Toi, tu viens là. J'aime pas être en bas. Où on se met là. Voilà. Toi. Tu viens là, toi tu viens là, le dernier archer, tu viens là, mes soldats à moi, on va en mettre un de chaque côté. Les troupes d'élite, elles vont rester en arrière-plan. Ok. Oula. Je suis sur le champ de bataille. On va passer en x4 seulement. Alors ça me tire dessus, on va reculer. Sachant que là il y a une sacrée porte qui me pourrit la vie. Ok, ça va trop vite pour moi là. Vous arrivez à tirer, c'est bien. Je sais pas pourquoi ils sont encore décalés eux. Allez, on leur passe dans le dos, messieurs, s'il vous plaît. Ils se font prendre en sandwich, ça va m'aider. De ce côté-là, on a une unité qui n'est pas utilisée. Pas ça veut dire ces trois petits points au-dessus. Alors vous n'avez pas de visibilité. Vous avez visibilité là? Non, vous encouragez, c'est ça. Allez attaquer eux. Qu'est-ce que vous me faites vous? Oh là là! Ils sont bogués encore. Oh.
ces unités sont figées. Hop, chargez s'il vous plaît. On va pouvoir leur tirer dans le dos ou c'est pas possible? Sinon vous tirez proche s'il vous plaît. Là vous trouvez des gens sur qui tirer ou pas? Eux ils ont l'air. Eux c'est pas le cas. On a gagné de ce côté là, on va revenir se refermer sur eux. Ah, eux comme d'hab ils s'enfuient. Ils m'ont perdu de vue donc ils croient que c'est bon, ils peuvent se rapprocher. Non, pas trop. Ah, ils ont réussi à se décrocher eux. Mauvais signe. Eux ils s'enfuient. Allez, maintenant vous leur tirez dessus. Oh, tirez. J'ai pas fait trop de pertes sauf sur cette unité là. Ça c'est un bon. Une bonne nouvelle. Vous. Allez poursuivre les archers. Ouais, ils font n'importe quoi, il y a un décalage, je sais pas à quoi c'est dû. Ah non, eux pour tuer les archers, pardon. Et vous, venez vous placer par là. Vous avez bien mangé. Des coups visiblement. Bon, de blague. À un moment ou à un autre, faut nous affronter quoi. Ils sont fatigués. C'est au moins ça la bonne nouvelle. Il n'y a pas de cavalerie. Ça aurait probablement coûté très cher en cheval, mais. Ça m'aurait été pratique. Bon, ils vont traîner en s'enfuyant. Je sais pas ce qu'ils espèrent exactement. De toute façon, il va y avoir un choc. Vous avez 1% d'efficacité, moi 74. On va vous massacrer et puis c'est tout. Pas besoin de vous faire durer le suspense. Voilà. C'est gagné. On va se réorganiser à peu près de la même façon ici. C'est à peu près plat. Ici, il y a une zone dégagée. C'est la plus grande zone dégagée de la région. Alors, comme d'hab, j'ai des archers qui font demi-tour et puis qui repartent. Il y a combat. Ces unités sont en train d'arriver par là. Donc, en quelque sorte, c'est tant mieux que j'aille vienne m'installer là. J'aurai un peu plus de temps pour le faire. J'espère que je n'ai personne qui court. On ralentit, vous vous avancez quand même. Ah, j'en ai d'autres qui sont décalés. Yes, sire. On va même se mettre par là. Il est... Ah, le champ de bataille est là. La bataille commence.
Mais il vient, ça va. Donc à chaque fois que je vais vous donner un mouvement à faire, vous allez faire d'abord demi-tour. Je sais pas si c'est les mods qui les pourrissent ou autre chose. Vous me faites n'importe quoi, les gars. Ils sont en train d'arriver. Je vais pas trop pouvoir les manœuvrer du coup. Alors, est-ce qu'ils tentent le coup? Probablement un moment ou un autre. Ok, ça tape. Pas prévu qu'ils allaient attaquer si vite. Alors, venez prêter main forte par là. Ça, c'est mes archers. Alors, ceux qui vont reculer dans côté vraiment pas malin à mon avis. Vous allez dans une mauvaise direction, mais bon, allez-y à fond dans ce cas là quand même. Là on peut tirer ou... Non, vous avez pas vision. Ok, tirez sur eux. Eux ils arrivent à tirer, c'est bien. J'ai l'impression qu'ils poursuivent mon unité alors que mon unité en fait elle est là. Alors, bon, alors courez et allez choper des archers. Vous c'est pareil, courez et allez choper des archers. Alors si ça marche ou pas. Ok, bon, il y a eu rencontre là, c'est très bien. Tenez votre position. Ah bah lui aussi il a une unité qui est décalée. Ah non, vous êtes là? Ok, vous allez tirer plutôt sur... On a des mercenaires qui sont quasiment crevés par contre. Je me suis fait massacrer. Ah c'est bon, on les a eu en déroute parce que c'était pas bien parti. Ça va, ça se tape. Ah là 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 là. Là il y a combat contre des archers. 67 à 1%. Ça va se passer sans souci. Ouais mais là on est déjà en combat, on va pas passer plus loin à mon avis. J'ai des archers qui se battent là. Ouais, on va reculer. Oh, vous pouvez tirer ou pas? Alors ici c'est passé. Si c'est une grosse armée. Ici on l'a remporté. Ne courez pas. Attaquez juste dans le dos. Ils ont pas de vision. Voilà, venez de ce côté là. Rien répondre. En déroute. Je me demande si c'était pas mes archers, ça par contre.
partie, je ne les ai plus. D'accord. Vous arrivez à tirer là ou... Tirez, tirez. Non, on va plutôt mettre devant parce que j'ai l'impression que mon unité est en train de faiblir un peu trop. En déroute, vous. Maintenant, vous attaquez et vous chargez. Et vous, vous venez donner un coup de main par là. On va les attraper. Yes, on a touché certains. Ok, on a gagné. Il reste une unité en état. C'est les archers avec lequel il fuit comme... Et il a gagné. Ok. Enfin, j'ai gagné. Mon unité a gagné. J'aime bien, c'est des vues de mon château. Selon des angles auxquels je ne suis pas habitué, donc là ça me perturbe beaucoup, mais... Oh, on a gagné 4400 jours, 450 constructions, 452 populations, 8 affrontements remportés, 0 perdus, 2000 ennemis abattus, et seulement 500 de notre côté qui sont morts. Et on a perdu 249 villageois. Et on aura plus de data plus tard. Eh bien, j'espère que la série vous aura plu. Moi, je vais m'arrêter là. Une première victoire dont je suis satisfait. Si ça vous a plu, je ferai probablement une autre série avec... bon, un autre bonhomme, peu importe, qui sera en exigeant, peut-être sur le fil. Donc pas d'adversaire, mais des bandits, beaucoup de bandits, une seule année, beaucoup d'attaques de bandits. Je pourrais commencer avec plein de camps de bandits et tout. Oh, ça, on commence en hiver en plus, sur le fil, exigeant, hiver. Ah. Des grosses pénalités en popularité, des événements météorologiques difficiles, ça je les avais déjà. Bref, on verra ça pour une prochaine partie.